Comment vous allez? Bienvenue sur ma vidéo Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 de septembre et remplissage de la dernière semaine, quatrième et dernière semaine du mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai eu mon petit week-end avec ma copine. Donc j'ai travaillé lundi, j'ai pris l'avion le lundi soir, on est rentré jeudi fin d'après-midi. Et là on est samedi. C'était juste top. Une parenthèse. Une parenthèse. On ouvre la reparenthèse, on profite, on referme la parenthèse et on revient à sa vie de tous les jours. Vraiment, en plus, il a fait très beau. Donc, c'était à Palma. Je crois que je vous l'avais dit, mais je ne sais plus. Donc, c'était à Palma. Il a fait très beau. Du soleil. Donc, voilà, j'ai fait plein de masques. J'ai été en maillot de bain sur les transats. Profiter. Le seul bémol, c'était que la piscine était très froide. Donc, on allait juste se rafraîchir en s'asseyant au bord de la piscine, en trempant les jambes. Voilà. La nourriture, très bonne. Enfin, franchement, c'était juste top. Par rapport à ce petit week-end exceptionnel, il me reste des sous. Il me reste 40 euros sur les 260 que j'avais au départ. Donc, voilà, on a dépensé raisonnablement. Hop. Il me reste ça en pièces. Donc, je vais les inclure au défi. Je ne vais pas les remettre dans les défis gains. Je vais les remettre dans les défis là. Voilà. Je n'ai pas envie de faire 15 000 manips. Excusez-moi. Donc, 41,70 parce que ça part dans le porte-monnaie. Je ne les garde plus. Donc, ça, je le laisse de côté pour ne pas le fausser mon calcul. Il est là. Voilà. Je le mettrai après avec le reste. Ça va m'aider à remplir en plus, notamment... Attendez, je décale pour que vous voyez. Notamment ma petite carte Love et ma petite carte Made with Love. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Comme vous avez vu, j'ai rouvert la boutique hier. Je crois qu'elle était attendue, cette boutique. Parce que vous avez été très 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 nombreuses à déjà passer commande. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle toutefois que le drive est disponible. Il est complètement gratuit et vous pouvez, tout ce qu'il y a sur la boutique, il y a même plus que sur la boutique, vous le retrouvez sur le drive. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de plastifier. Vous pouvez, voilà, il y a tellement de défis maintenant que vous pouvez vous amuser à les faire au feutre, au crayon et à passer à un autre ensuite. Voilà, vous suffit juste d'avoir une imprimante au travail, chez une amie, chez vous. Et c'est tout bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout au niveau du budget. Au niveau du budget, mon cours, il est là. Il y a plein de choses. On a beau suivre son budget, c'est l'exemple typique. On a beau suivre son budget, il y a toujours des cagailles. Donc, jusque-là, tout est passé. EDF, ils m'ont rendu des sous le mois dernier. Et du coup, je pense que ce mois-ci, ils ne prélèvent pas parce que j'ai regardé mon échéancier. Là, pour le coup, je l'ai fait. Je vais être augmentée. Je ne comprends pas. Nous, ils nous rendent des sous et après, on est augmenté. Moi, franchement, EDF commence à me courir sur le haricot. Sévèrement. Donc, je l'ai noté pour le mois prochain. On va passer à 274,47 €. Donc, en fait, on remonte à ce qu'on était en début d'année. On était à 291, je crois, donc un peu moins. On était redescendu à 181, j'étais très contente. Donc, en même temps, ça fait yo-yo. Poursuivre son budget, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, bon, ce mois-ci, il ne nous prélève pas. Et Navigo, je pense qu'il faut que je fasse le renouvellement pour qu'il nous reprélève. Donc, ce mois-ci, pas prélevé. Et Suez, ils nous ont pris 30 et quelques. Je pense que ça repartira à partir du mois prochain parce que là, pas de prélèvement non plus. Et on a toujours de l'eau. Non, je déconne. Oui, on a toujours de l'eau quand même. Voilà. Plum, cette semaine, ils ont pris 26,05 €. Donc, en arrondi, il y a eu 2,05 €, 3 € de pluie et 21 pour...
21 ici pour le 52X, donc on est à 231 et 88 au total, parce que 3 euros de plus en plus. Et je vous confirme que je laisse finir ce mois-ci, parce que ce mois-ci, je peux l'absorber complètement. Et je pense l'arrêter, ça va faire déjà une belle somme. Hein, parce que sur Plum, je suis à 400 et quelques, je crois. Donc, ça fera déjà une très belle somme pour les fonds secours et alimentaires pour cette année. Et on verra si je reprends l'année prochaine. Mais là, ça devient trop compliqué. Les grosses sommes, je ne vais pas pouvoir les absorber très clairement. Donc, non, parce que j'ai plein d'épargne encore à gérer. Donc, je préfère garder ces sous pour ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Oui, ça s'efface, j'en peux plus, moi, du réutilisable. Alors, c'est bien pour la planète, tout, on est d'accord. Mais je préfère avoir en papier. Surtout que pour la planète, ça ne l'aide pas. Parce que je garde mes brouillons. Et comme je fais mes brouillons sur papier... ça ne change pas grand-chose pour moi. Oh, bien au contraire. Voilà pour ça. Ensuite, il me faut la feuille pour pouvoir faire le suivi. J'en suis déjà à 5 minutes de blabla. C'est là. Donc là, il n'y a rien eu. Hein. Hop. Tac. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais prendre un stylo. Hop, c'est le rose qui arrive en premier. Parfait. Et on va prendre le classeur. Les 100 euros que j'avais pris pour l'anniversaire. Ah oui, il y a eu l'anniversaire de ma nièce aussi. C'est très bien passé. On a eu très très beau temps. Bon, après, c'était en Bretagne. La nuit, enfin le soir là, en Bretagne, l'humidité est là. Surtout que ils ont un grand jardin. Enfin, c'est la terre des vaches. Hein. Donc, même si on avait mis le chauffage dans les tonnelles, enfin dans les... les tonnelles, là, c'est des barnums. Il faisait quand même un peu frais, mais ça a été très bien. Partons par là. Alors, alimentation, les garçons ont fait, parce que moi, j'ai pas fait du tout les courses. Ils ont fait 46 euros en carte bleue. Et du coup, j'ai été tirée... je vais prendre 50 euros dans le retour banque. J'ai toujours les 20 euros ici. Donc, cela, je fais n'importe quoi. Elle est dure, la reprise, cette année. Elle est dure. Hop, allons au bon endroit. Donc déjà, on va prendre 50 euros. On va les prendre en billets, ce sera plus simple. Hein. 50 euros du retour banque. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Je vais le noter, sinon je vais oublier. On est le 21-09. On est le samedi, donc oui, je crois que c'est ça. Il y en était le 20. Course moins 50, 46, je vais faire cadeau au compte de 4 euros. Et donc ça fait 220. Je vais pas aller tirer des sous alors que j'ai les sous là, c'est ça que je veux. Donc 100, 200 et 20. Très bien. On est bon au niveau du retour banque. Ensuite, à la semaine, alors on a les 20 euros, je les prends ici, je les mets là. Donc ça, c'est toujours les courses hein, et je laisse le billet plié dedans. Ensuite, donc dépenser 46. Il y a des centimes, mais je ne me rappelle pas. Il me l'a dit, j'ai pas regardé le compte pour ça. Oui, parce que je vois mes cartes bleues, on est bien d'accord. voilà. Ensuite, en hygiène et entretien, donc bon, la 20, je ne vais pas le cocher. En hygiène et entretien, j'ai pas dépensé les 10 et je crois qu'on avait fait dans le défi flash. Attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 10 d'entretien, c'est ça. Et j'avais fait un échange avec des pièces, donc je vais laisser les pièces, je vais remettre que 10. Donc on aura bien nos 20 pour l'entretien. Mais je voudrais faire partir les pièces, donc je ne vais pas les reprendre pour les remettre, ça ne sert à rien. Et je remets 10 ici. Donc on n'a rien dépensé ici. Je peux fermer cette enveloppe. Voilà. Plaisir, on a tout dépensé. On s'est fait un McDo en arrivant en Bretagne. Voilà. Loisir 50. Donc on va y remettre 50 euros, les 50 derniers euros. Ça rentre comme ça, je ne sais plus. D'une semaine à l'autre, j'oublie.
Oui, ça rentre. Maison, je n'y suis pas allée, donc je vais garder les 20 euros ici. On verra si je suis embêtée ou pas. Hop. Donc, maison, on n'a rien dépensé. J'ai pas du tout le temps, vous comprenez bien, hein, d'aller à Action. Même si là, il faut que j'y aille. Donc, cette semaine, il faut que j'y aille. Imprévu. On ne les a pas dépensés. On les a mis dans le défi flash. Je pense qu'à partir du mois prochain, on verra ça quand je vais faire le budget, mais je vais déjà changer mon porte-monnaie. Au début, je voulais attendre septembre, mais je pense que je vais déjà changer, pas le porte-monnaie en lui-même, hein, mais ma façon de gérer les enveloppes. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, on est bon. Promo, j'ai rien fait, parce que c'est pas moi qui ai été en course, donc j'ai pas vu s'il y avait des promos. Beauté, on n'a rien fait de plus. Et santé, on a toujours les 20. Voilà, pour le porte-monnaie. On va pas le mettre loin, parce qu'on en a besoin pour le défi flash. Promo, rien. Joanne, on ne fait plus. Nolan, on va regarder. Alors, voilà, on a toujours les sous... de la beauté. J'ai prévu beaucoup, mais Joanne n'a pas été... Enfin, il s'arrange avec un copain. Je crois qu'il a payé lui-même, donc c'est très bien. Ici, on a toujours les sous. Et beauté, on n'a rien fait. Et santé, on n'a rien fait. Donc, au total, bah, ça fait 96. Petite semaine, mais bon, j'étais pas là. Monsieur a fait 2-3 courses pour combler de ce qu'il y avait déjà, parce que j'avais un peu anticipé la semaine d'avant le fait de ne pas être là. Donc, il a juste fait un petit point. Voilà. Ensuite, les économies. J'ai pas une pièce. Ah ouais, quand même. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10, 100 euros. Bon, je vous dirais que c'est pas une semaine. C'est pas une semaine si réelle. Si, elle est réelle, mais c'est pas une semaine témoin. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Je sais pas. Voilà. Donc, j'ai dit 100 plus les 20. Donc, ça fait 120 ici. Monsieur, rien. Mais on a en plus... Ah oui, c'est ça. Je vais rajouter ici les 41,70. 41,70. J'essaye de ne pas me perdre. Je réfléchis, mais normalement, je suis bien. C'est tout ce que je voulais... Ouais, c'est ça. Donc, au total, ça fait 161,70. Ce n'est pas du tout révélateur de nos semaines normales, entre guillemets. Donc ça, je le mets là. Et ça, je le mets là. Ben, on va pouvoir y aller pour les défis. Ça, je le mets de côté. Et on verra ça après. Ici, on avait dit qu'on ne faisait pas. J'avais pas fait de tirage, mais on va faire un tirage pour cette semaine. Et on a celui de la semaine dernière en défi flash. Donc, ce sera le seul défi flash. Enfin, je vais pas en regratter un, c'est ça que je veux dire. Et on va lancer le dé. Parce que là, il faut vraiment vider. 6. Hein. Eh ben, quand on dit qu'il faut vider, on va vider. Hop. Donc, j'ai 6 articles à mettre. Donc, j'ai fait une vente là. Je m'occupe ça de tout à l'heure pour faire partir ça au plus vite. Je l'ai fait pendant que j'étais pas là. Voilà. Hop. Donc, il y a 2 pulls qui sont partis. C'est très bien. Ça dégage. Enfin, ça diminue. C'est ça que je voulais dire. Pardon. Là, on va lancer le dé pour faire le 3. C'est un 6. À partir du mois prochain, je triche. Hein. On n'est pas encore en automne, c'est à partir de demain. Donc, hop, enfin, normalement, vous allez la voir demain et on sera en automne quand vous allez la voir. Je verrai si je reviens parce que je voudrais vraiment. Bah déjà, on va faire ça. Je vais mettre 20 ici. On va prendre un qui est plié là. Hop. Tac. Et donc, on avait déjà mis les 5 et on a bien 20 ici. Voilà. Je vais juste prendre. Un petit... Oh, petit chat d'amour. Voilà, donc j'ai fini celle-ci. Donc ça, c'est le défi de Emily Budget. Sa boutique, c'est l'atelier de Lily. C'est le Made with Love. Il est trop bien, j'adore. Et donc, il nous reste une carte à gratter qu'on va gratter au budget. Ça, c'est top. Si je dis pas de bêtises, mais normalement, c'est bon. Ça, c'est fait. Celui-là, il faut y mettre 50 et j'ai encore rien mis.
Et ben on va y mettre 20. Voilà, en gros, les 20 euros que j'ai économisés, je les mets dedans. Hop. Donc, il nous restera 30 à mettre pour pouvoir clôturer celle-ci. Voilà. Alors, maintenant, il me reste combien? 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 100 euros, 101 euros, 70. Ok. Je verrai si je reviens. Le Monopoly. Non. Oui. Hop. Il me faut 2 dés. 6 et 4 qui font 10. Et on s'est arrêté ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis dans le champ, oui. 7, 8, 9, 10. 7 euros. Là, c'est 46 plus 7, 53. Dans le Monopoly. Pas mal. Alors, faut que je rajoute 7. Ben, j'ai pas de quoi les mettre. Ben non, c'est pas juste. Parce que là, j'ai 46. Déjà, on va se mettre à 50. J'en mets qu'un, c'est mieux. 50. 52. Bon, si j'arrive à faire de la monnaie quelque part. Ici, je peux. Là, ça me fait... Bon, je vais pas le faire là. J'ai retiré toutes les pièces. 2, 4, 6. Là, j'en ai pas. Là, j'en... Mais dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Alors, je vais retourner là. Là, je retire 21. 21. Je mets 20. Et je vais retirer 1 ici. Voilà. C'est dans les sous que je devais mettre. Normalement, je suis piégé, je fais pas de bêtises. Normalement, je fais pas de bêtises. 40 et 1. Hop. Et ici, je vais me mettre bien là. À 53. Voilà. C'est bon. Alors, attendez que je vérifie que j'ai pas fait d'annerie. Si j'ai rien mis, là j'ai rien mis. Donc on est parti sur 161,70. Moins 40. On doit avoir 121,10. Moins 7. Il doit me rester 114,70 €. 2, 4, 6, 8, 9. Oh là 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 là. J'ai pas 100. Où est-ce que j'ai encore mis des sous? J'ai mis 20 euros ici et 20 euros là. Là, je suis bien à 50. Là, j'étais à 41, j'y suis toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie de... Ou c'est là que je me suis trompée? Ben non, 120... Ah oui, mais moins les 20. Oh, c'est ça. Donc 161,70 moins les 40 qu'on a mis dans les défis, moins les 20 que j'ai mis dans le défi flash, moins 7 du défi Monopoly, 94,70 €. Le compte est bon. J'ai pas fait d'erreur. Ton tour se met en place dans le cerveau. Le plus ou moins. Allez, on va y jouer. On a un peu de sous. Hop. Donc on est toujours au départ. Il me faut le plus ou moins et le dé normal.
moins, bon bah je peux pas aller moins que le départ, et je mets 5 euros, ok. Donc on sera à 11. Et on est toujours sur le départ. Je récupère le 5, je mets un billet de 10, voilà, ouais c'est ça, je peux faire celui-là, on verra, je voudrais terminer celui-là, je voudrais avancer la phrase du mois aussi, allez, enfin terminer, c'est un bien grand mot, hein. combien je vais mettre dans celui-là? J'ai 8, il me faut 45. Il va falloir s'activer. Là, ils sont tous cochés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais mettre 10 euros déjà dans celui-là. Donc, on sera à 18. J'aurais pu laisser le 8, Aurélie. 18. 18. Donc, on a bien les 8. Je vais mettre même 2 en plus. On sera à 20. Hop. Je vais mettre une pièce de 2, un billet de 10. Hop. Ici, c'est bon. Je voulais commencer à... avec vous, du coup, le défi pour Halloween. Donc, je le commence en avance pour avoir les sous pour acheter les bonbons d'Halloween. Donc, est-ce que je fais un lancer dé ou je coche? Ou je fais un pile ou face? Je vais vous laisser un peu le pile ou face. On va juste lancer un dé. 3. Eh bien, on va mettre 3 euros ici. Ça va être compliqué. Voilà. Hop. Le 3 est fait. On est donc à 3 euros ici. Il faut que je mette 3 euros ici. Est-ce que j'ai de quoi casser encore un billet de 5? Non, bah, c'est ça de retirer les pièces de son classeur. Au final, on est un peu embêté. Hein. Je vais aller faire celui-là. Est-ce qu'on a des 3 là-dedans? J'ai des 5 et des 4 en fait. Ah, il me reste un 2 aussi. Ah, bah je vais faire 2, ça fera 4. Ah, bah oui, non, ça ne m'aide pas ça. J'en ai... Ah, j'ai un 3 là. Et parfait. On va faire le 3. Comme ça, on sera à 5. Hop. La dernière antenne. Comme ça, je récupère une pièce de 2 qui traîne ici. Elle est là. Et je vais mettre un billet de 20. Donc, en fait... je récupère 15. Voilà. Donc là, on est à 105. Cent et cinq. Parfait. Voilà, alors on va aller voir les petites cartes avant de s'enflammer à droite à gauche, parce que si je peux les terminer, je pourrais m'amuser la semaine prochaine. Ici, on est à 20, elle est terminée. Alors. Hop, je mets un billet de 20 ici. J'ai juste fait l'échange, hein. Betty, on est à 5. Déjà, les gnomes, on va les y mettre 8. Je suis à plus 1. Ah oui, je suis à 9. Donc, il faut que je mette 7. Hop. 7.
Donc si je fais l'échange. Et donc c'est ça. Donc j'ai plus le plus 1 ici. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. Et on est bien à 16. Donc il me restera 8 à mettre la semaine prochaine. Ça devrait faire. Non, 16. Oh, allez. Oh non, non. 16. Les gnomes, on est bon. On va voir si on peut terminer. Normalement, on peut. Hein. Betty. Donc, on a un billet de 5. Et donc, il faudrait que je mette 15 pour avoir les 20. Et ben, on va faire ça. Hop. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout bon. 20 sur 20, madame. Parfait. Comme on est sur le thème de l'école. Et donc, il ne me reste que la petite carte de Céline. La petite carte de Céline. En plus, j'ai pas fini celle du... Enfin, j'avais pas fait celle du mois d'août. Donc, j'ai 15 et 20. On va déjà y mettre... J'ai récupéré plein de billets de 5. Hein. Et ben, je vais y mettre 5. 15, pardon. Ça, je remets là. J'essaye de ne pas me perdre. Je vais faire les 15 du mois d'août. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Donc celle-ci, elle est faite. Et je mets 10 et un billet de 5. Et on verra, mais normalement, je pourrais mettre les 20 euros le mois prochain, la semaine prochaine, pour la carte de septembre. La carte numéro 9. Voilà. Parfait. Ça, c'est à la fin du mois. J'essaye de... Donc là, il me reste des 5 et des pièces. Je vais revenir sur lui pour voir ce que j'ai pas fait. Ici, on a joué. Là. Je vais y mettre 6. Hop. La tarte à la citrouille. Comme ça, il est commencé. C'est très bien. Si on peut éviter de prendre du retard, ce serait bien. Si on peut le finir avant le mois de décembre, ce sera encore mieux. Comme ça, on n'est pas embêté avec ce défi-là. Comme on va mettre beaucoup les économies dans le... Comment il s'appelle? Dans le calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La phrase du mois, il faudrait peut-être que j'y revienne. Mais je voudrais aller voir mes petits défis d'abord de Noël. Je vous ai dit qu'à partir de là, on commencerait à les regarder. Alors le mien, je vais peut-être le laisser en suspense. Comme vous venez seulement de l'avoir et que je n'ai même pas encore envoyé de commande. Je vais gratter une petite case de Céline de mes économies et défis. Allez, on va faire celle-là. 2 euros. Super. Très, très bien. 2 euros pour ce petit défi. On va l'écrire dans le blanc, là. 2 euros. On va gratter une carte de Linda. Oh, il est trop beau, celui-là. 5 euros. Bah, écoutez... Si tout s'aligne, c'est génial. Donc déjà, on va mettre les 2 euros. Et 5 euros. Parfait. Donc celle-là, elle est faite.
Et on va aller voir les cartes de Betty. Ah, bah, y a un 2 euros. Je vais mettre le 2 euros. 2. Et je vais mettre un 5. Ouais. Donc, on est à 7 euros pour celui-ci. Parfait. Et donc, je commence pas le mien. On commencera à partir du mois prochain. Voilà. Parfait. Donc, ça, c'est tout bon. Et ben, on va aller mettre les 5 euros. Et le défi d'or. Donc on lui rajoute 15 euros. 1, 2 et 3. Ce qui nous fait 50. Et 2,70 € dans le défi d'or. Je suis à combien? 30 minutes, ça va. 2,70 €. Il est libre. Parfait. Ça, je range dans la petite boîte. Donc 2,70 plus 2,60 égale 5,30. Donc 245,30 €. Hop là. On groupera tout à la fin du mois. Pour ça, c'est bon. On va pouvoir faire le défi flash. Ça, je le range, je le range. Allez. 4 pour la semaine 4. 1, 2, 3, 4. Monopoly. Monopoly. Alors, on va jouer au Monopoly. Je vais vous faire une confidence, je vais peut-être arrêter le Monopoly l'année prochaine. Peut-être. Rien n'est sûr encore. Rien n'est sûr. 6 et 1 qui font 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 euros. Hop. Ce qui fait 63 euros. Et je vais prendre ça. Ouf. Bah, je pense que ça va être l'imprévu. Hein. C'est l'alimentation. Là, je vais faire les courses. L'entretien, je sais que j'ai besoin de beaucoup de choses. Je vais me servir peut-être même de la maison pour l'entretien. Donc, on va prendre... Oui. Allez, on prend un imprévu. Ici, c'est bon. Et c'est parti derrière, semaine 4, imprévu, 10 euros. On aura quasiment pris que des 10 euros. Plus ça où j'en rajoute, donc j'en aurai 7 à faire. Plus lui ici, comme ça j'y pense. Voilà.
Bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal là. Donc ça, c'est terminé. Donc octobre rose, je le commencerai qu'en octobre. Alors, octobre rose, je ne l'ai pas mis à la boutique. Vous ne le retrouverez pas sur la boutique. Je ne veux pas faire d'argent avec. Vous ne l'avez que sur le drive pour pouvoir vous l'imprimer et le faire. Moi, je vais le faire tout au long du mois. Plus j'y mets, mieux c'est. Je ne suis pas obligée de m'arrêter à 10. Hein. J'ai fait 10. C'est une petite somme. Ceux qui peuvent mettre que 2, 4, enfin voilà. Si on peut le doubler, enfin voilà. Et après, ça partira pour les associations. Je veux pas gagner d'argent dessus et je veux pas garder d'argent avec dessus. C'est ma façon de contribuer. Ici, on a 20. Il nous manque 30. Donc, on verra la semaine prochaine. Ben voilà, j'ai fait le tour, j'ai tout vu. Normalement, il n'y a pas eu de dépenses dans les épargnes. Si, je ne vous ai pas dit, les impôts, la régule est passée, donc c'est bon. Ils ont pris plus ce mois-ci. C'est fait. Je ne suis pas enchantée, mais c'est fait. Et voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mercredi pour le budget du mois d'octobre. Et vous avez les petites vidéos pour la série qui continue. Je n'ai pas posté vendredi parce que j'étais un peu dans le rush du retour, reprise du boulot. J'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. J'avais réussi à m'avancer sur plein de vidéos, mais celle-là... Je l'avais pas, donc je peux pas vous faire quelque chose que j'avais pas fait. donc voilà. Donc, mais la série continue et se terminera cette semaine. Voilà. Et je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait, même vous qui êtes déjà dans le système et tout. Ça, en la regardant, en la commentant, vous la faites partager. Et du coup, des gens qui ne connaissent pas la méthode ou qui ne savent pas encore comment vont pouvoir accéder, elle va être remontée par YouTube dans le fil d'actu. Elles vont être remontées dans le fil d'actu par YouTube. Donc c'est top et je vous en remercie grandement. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à mercredi. Bye !